et bienvenue au Virgamer. Ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi et le mardi 7 un jour. Y est comme tous les jours, y ensemble on visite un camp. On live from the Appalaches. Voici tout de suite le 1038e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de Wiegamer. Appelons-le Papy. Alors que ce matin, les enfants, nous poupons. Et oui, nous sommes dans la forêt, comme vous pouvez le constater. On est juste à côté eh bien, de l'étang asséché de Summerville. Summerville est juste devant moi, là-bas. Nous avons également l'atelier des cabanes du lac juste en face. C'est très beau. New Glad, un peu plus bas, et que le camp du jour, il est ici, il est là. Il est beau, il est fantastique, il est ultra moderne. C'est ma dernière idée en date que j'ai eue. Alors, c'est un flash. J'ai eu un flash. J'ai imaginé quelque chose avec une structure en verre qui flottait un petit peu au-dessus du camp, et ça a donné, eh bien, ça a donné ce style de villa absolument moderne, cubique, une construction en escalier avec du double mur, et puis, eh bien, au-dessus de la maison cubique en escalier, vous avez cette espèce d'immense verrière comme ça qui vous fait comme une pente, hein, qui monte vers le ciel tout en verre et qui sert à demi à couvrir également les deux terrasses qui sont ajoutées sur la maison au-dessus des deux premiers blocs, les blocs les plus bas, voili, voilou avec un petit peu de verdure. Alors j'ai fait plusieurs tentatives, j'en ai discuté avec certains membres de la communauté, est-ce que je mets du lierre partout, pas partout. Finalement j'ai décidé de pas en mettre sur le côté, hein, vraiment sur la face principale de la maison. J'en ai gardé un petit peu comme ça au niveau des terrasses végétalisées et puis également de vers l'arrière de la maison, mais sinon c'est tout. J'ai utilisé les piliers qui viennent du lot de construction de l'enclave. Le deuxième lot, le nouveau, le plus récent, parce que je trouvais qu'ils étaient intéressants. Ils sont un peu plus sympas, un peu plus épais que les piliers métalliques de base, et ils sont un peu plus dans les tons comme ça, un peu plus vert comme le lot de construction de l'enclave, et c'est pas plus mal sur une construction comme celle-ci, avec donc des toits pentus, hein, tout simplement toits en verre, du lot de serre. Pour le reste, c'est du double mur avec en plus de l'usage justement du lot de serre, deux bandes de verre, deux colonnes de verre au milieu de la structure. Voilà, je repasse en mode paparazzi pour que vous puissiez également le voir. Alors on le verra quand on rentrera tout à l'heure. Il y a également deux balcons, hein, mais qui donnent de l'autre côté en direction avec un panorama sur l'étang. Alors l'étang est asséché, mais il faut s'imaginer, bien sûr, Papy a anticipé pour l'avenir. Il a acheté la parcelle à pas cher aujourd'hui, hein, sur les conseils de Nesty, conseil capitaliste. Bien évidemment, j'achète la parcelle pas cher, je fais une belle maison dessus. Ça vaut pas grand chose aujourd'hui, mais quand demain on aura reconstruit la civilisation et que demain on aura remis de l'eau dans l'étang, ce sera quelque chose, ce sera un joyau et ça se revendra très 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 cher. Voilà, on va aller regarder l'intérieur d'abord, peut-être l'abord extérieur. Vous avez ici, alors j'ai utilisé les escaliers, c'est pour faire un peu moderne, et puis parce que je voulais montrer les escaliers qui viennent du lot donc de construction de l'enclave deuxième génération, avec la petite boîte aux lettres sur le côté. Je grimpe, j'ai une belle clôture, une porte de palissade, on a une palissade blanche comme ça qui fait tout le tour de la propriété. Et à l'intérieur, immense pelouse, et oui, avec un point central qui est une forme de terrasse avec un feu de camp. Alors j'ai voulu faire du genre un feu de camp personnalisé, c'est à dire qu'en fait c'est la pile de bois, hein, vous savez, cet item de la saison actuelle qui vous permet de récupérer du bois, hein, oui, comme son nom l'indique. Et bien c'est cette pile de bois que j'ai enflammé avec un des feux forts qui était un lot dans la boutique de trois feux de taille différente, hein, qui date d'il y a quelques mois en arrière. Je m'étais dit, plutôt que d'utiliser un feu de camp tout fait, et bien faisons-nous un feu de camp personnel. J'y ajoute quatre petits bancs en marbre comme ça tout autour, et on peut venir s'installer, profiter d'un feu comme ça à l'extérieur. Si Papy vous invite pour le week-end et que vous avez des gosses, ouais, non, je vous invite pas dans ces cas-là. Mais enfin, dans l'hypothèse où ça arriverait, on a prévu également quelques animations pour les enfants de ce côté-ci, avec un trampoline pour qu'ils puissent rebondir jusqu'à se casser la figure. Et juste derrière, une petite balançoire, hein, faite au pied d'un arbre avec un vieux pneumatique. Pourquoi pas? Et puis, cette villa apporte un nom, bien évidemment. Alors, je lui ai donné un nom sobre, simple, qui est facilement mémorisable, hein, que vous pourrez bien évidemment comprendre. C'est la
Villa Sofia. Voilà, oui, la Villa Sofia, c'est pas la vilaine Sofia, je vous vois tout de suite, hein, ceux qui vont déformer le nom, mais c'est la Villa Sofia. J'ai pas fini de passer la tondeuse est ici, oui, parce que j'ai toujours pensé que ça faisait plus tondeuse que aspirateur, ce truc, et vous voyez qu'il y a quelques mauvaises herbes qui traînent dans ma pelouse immaculée, et ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est les éléments du décor qui repop, certains ne repop pas, et d'autres passent à travers, c'est la vie, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai posé la tondeuse là, en mode, je vais bientôt éradiquer les mauvaises herbes qui popent dans ma pelouse. Alors quand elles popent dans ma terrasse, c'est un peu problématique par contre, hein, dans mon allée. Mais bon, je vais du coup suivre mon allée, hein, bordée par quelques lampes buzzer, comme ça pour la luminosité, on y repassera de nuit tout à l'heure. Vous avez la maison qui est un petit peu surélevée, j'y ai rajouté un mur pour masquer les fondations en béton, un mur cachot en briques toute simple. Je prends le petit virage par ici, ça m'amène sur le côté. Et là, j'ai un petit escalier qui va me faire grimper au bon niveau. L'allée se termine et je suis face à la porte. Donc la paroi, le mur végétalisé de ce côté-ci. Une petite affiche de Wellspring parce que c'est très joli, juste pour le fun. La sonnette. Je m'annonce chez moi, c'est un concept, et derrière la porte, les enfants, je vais rentrer. Mais avant de rentrer, nous allons eh bien, tout simplement attendre qu'il fasse nuit. Eh oui, 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 on va attendre qu'il fasse nuit. Pourquoi ? Parce que la visite à l'intérieur se fera dans de bien meilleures conditions s'il fait nuit, pour la luminosité notamment qui a été en partie étudiée, surtout pour la pièce du fond. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite par la magie du montage et les moustaches de Kekebou. Hop, il va faire nuit. Et voilà, il fait nuit, c'est absolument magnifique, en tout cas il fait presque nuit. Je vais juste prendre deux secondes pour vous remontrer, voilà, l'allée qui est balisée par quelques lampes buzzer, donc pour qu'on trouve bien son chemin jusqu'à l'entrée de la maison, et donc la maison dans laquelle je rentre, les enfants. Petit intérieur, vous le voyez, alors avec vue en mezzanine, hein, le premier niveau, c'est un niveau en fait intermédiaire, c'est un petit palier tout simplement, et qui donne avec en mezzanine sur cette zone ici à l'entrée, cuisine, salle à manger. La cuisine est ici, elle est installée derrière un comptoir du Red Rocket, sur lequel différents éléments liés justement à la cuisine sont installés. Vous avez les éléments notamment liés à cette saison, et par exemple le grille-pain qui est ici, et oui, il est installé là avec deux pots de cervelade à côté. Ça, c'est pour le petit-déj, hein. En tartine ou sur les biscottes, la cervelade, le cerveau mariné, hein, la marinade de cerveau, la cervelade, c'est fantastique. L'essayer, c'est l'adopter, et c'est bien digéré dès le matin. Une étagère avec quelques chopes remplies de liquide bleu, ça c'est pour papy, cherchez pas. Il y a le lavabo rustique, et alors je trouvais qu'il dépassait un petit peu, que c'était un petit peu dommage. Mais c'est une petite compo lumineuse bleu, blanc, rouge, cocorico, avec ces trois petites boîtes lumineuses, donc aux couleurs bleu, blanc, rouge. La cafetière, élément essentiel s'il en est dans une cuisine, ou en tout cas à proximité de là où on se trouve, avec la thermos à côté pour la remplir. C'est magnifique, un petit ventilo parce qu'il fait chaud par là-dedans, et là on est en train de préparer le repas, hein. La casserole, le ragoût est en train de chauffer sur la cuisinière, c'est le poste de cuisine. J'ai utilisé cette combinaison classique de la gazinière purement décorative avec le petit poste de cuisine dessus, ce qui fait plus vrai, et j'ai rajouté des flammes derrière, une flamme feu doux pourtant, ça, hein. Ça c'est du feu doux, mais comme quoi même le feu doux c'est assez violent. Dans le fond il y a le réfrigérateur en inox, et oui, il est dans la boutique en ce moment, où il l'était en tout cas, et je n'avais que celui ensanglanté d'Arctos Pharma. C'était un peu embêtant, donc je suis content d'avoir acheté ce réfrigérateur en inox, ça fait un peu mieux dans la cuisine. Il est surmonté d'un petit poste de radio, et puis derrière, bah, il y a les restes de ce qu'on était en train de préparer, hein. Bah, oui, c'est un bon ragoût, oui, oui, c'est un bon ragoût. J'avais invité tous les membres de la communauté à venir se joindre à moi pour le repas de midi sur la planche à découper. Voilà, on a découpé la bestiole, hein. C'est ouais, voilà, une petite bestiole. Un petit rongeur qu'on peut trouver comme ça dans les Appalaches. Il a été bien préparé et il est en train de mijoter juste derrière. Vous avez pour la déco une petite colonne classique surmontée d'une urne. C'est les cendres de mamie, elles sont là, elles sont installées ici tranquillement sur le petit piédestal, et puis on a une table. On est dans quelque chose qui est moderne, où j'ai essayé d'allier le plus possible à la fois des éléments plus classiques avec des choses plus modernes. C'est le cas notamment ici avec cette table
moderne qui vient de l'univers des aliens, sur lequel j'ai posé un petit chandelier pour un tête-à-tête avec Sophia. Ah oui, avec les coupelles de fruits, les shops de la saison précédente, et puis deux chaises en vinyle période dorée, comme elles s'appellent, mais elles rendent plutôt bien. Le tout posé sur un beau parquet du lot contemporain, tapisserie verte par ici avec une autre déco lumineuse et des petites boîtes. Moi aussi, je l'ai fait. J'en vois régulièrement hein, dans des camps. Alors, il y a des choses très élaborées comme le magnifique Volboy d'Azelt, mais il y a aussi des petites décos comme ça, plus ou moins incrustées dans le mur. Et je trouvais que ce petit motif géométrique, je savais pas quoi mettre à cet endroit-là. J'étais à deux doigts de mettre encore des œuvres d'art contemporain. Vous savez, le masque d'art contemporain au mur, je me suis dit, mais on le met à chaque fois. Je voulais quelque chose de différent. Je me suis dit, vas-y, fais une petite compo avec une boîte lumineuse encore, 2-3. Et voilà, ben, ça meuble bien, vous voyez. Quelques petites boîtes lumineuses, c'est parfait. Un petit peu de verdure, parce que la verdure, ça assure. Et puis deux tabourets par là pour vous installer, pour boire donc un coup dans cette cuisine salle à manger, avec grande paroi de verre d'un côté, grande paroi de verre de l'autre. On a une belle vue aussi de ce côté-ci sur alors la terrasse, et puis en dessous l'étang. Pour meubler également, pour décorer le mur, la grande pendule blanche de Wellspring, que j'aurais peut-être pu redescendre un petit peu maintenant que j'y pense, mais bon, elle est là-haut, elle est bien. Puis c'est surtout qu'on verra en mezzanine, ça passe plutôt bien. Pour la luminosité, un petit pack récurrent qu'on va retrouver un peu plus loin, c'est la box alien avec par-dessus une petite lampe buzzer, et puis un petit couloir par ici, les enfants, qui va nous mener, vous le voyez, ah oui, vous l'apercevez hein. Ça, c'est la pièce la plus importante, la pièce de la détente, la pièce du home cinéma, absolument fantastique. Mais avant tout ça, on va faire un petit arrêt ici derrière ce rideau Nuka-Cola, la salle de bain, toilette. Ah oui. J'ai pas fait du Fallout 76 une autre idée des toilettes. Pour une fois, j'ai fait une petite pièce totalement fermée dans un ton orange et noir. La belle mosaïque orange et noir justement au sol, que j'aime beaucoup. Et puis faïence noire également au mur, et les trois items classiques y sont, c'est-à-dire la douche, douche premium, ainsi que les toilettes propres de la saison 3 et le lavabo propre de la saison 1. Et non, je n'ai pas mis, je l'ai séparé de l'inséparable et miroir gigantesque, et à la place, j'ai mis une petite affiche Rip Daring lumineuse. Voilà, juste pour la déco murale. Mais non, je n'ai pas mis le miroir. C'était trop évident de mettre le miroir. Je me suis dit, vas-y papy, change un peu. Pour meubler également et décorer par ici, un petit tableau au mur. Ça, c'est de l'art contemporain. Je l'ai acheté à pas cher. La croûte, c'est normal, vu comme c'est moche, il n'y a pas de problème. Et puis une petite console de Wellspring contre le mur, avec encore un joli vase et des petites plantes. La porte ici va donner, porte de bateau du pied marin va donner sur la terrasse. Mais la terrasse, bon, si on va la faire maintenant. Une terrasse avec un sol en briques zigzag rouge, table en marbre avec de quoi boire. Il y a également la glacière pour tenir les boissons au frais, petite coupelle de fruits, et puis vous inquiétez pas, il y a le barbecue aussi pour ce soir. Le midi, on mange le ragoût qui est là-bas, et le soir, c'est barbecue. Il y aura les saucisses tranquillement. Ici, c'est fantastique. Et puis pour se détendre dans la soirée, comme vous êtes là, que vous voulez profiter du panorama, eh bien vous avez trois grands transats, vous vous installez, vous profitez de la vue sur l'étang, enfin sur ce qu'il en reste aujourd'hui. On retrouve la box alien avec la lampe buzzer, voilà, petite terrasse en avance, hein, parce que là on est dans le vide en dessous, mais bien évidemment, comme je ne voulais pas faire un loft aérien, on a respecté les formes et on a mis les piliers, là aussi il y a les piliers métalliques. Si je descends, vous allez le voir, je vais le faire, j'en profite, tac, je descends, vous avez les piliers métalliques qui soutiennent la terrasse, voilà, par ici. J'ai également un système d'escalier qui va me permettre de remonter, hein, tout est fait. On pourrait même aller se baigner si l'étang fonctionnait, si l'étang était rempli, on pourrait descendre, se jeter dans l'eau et en bien en profiter. Par ici, je vais me remettre et je vais réutiliser le mode paparazzi pour que vous puissiez voir la maison de ce côté-ci, avec la grande baie vitrée du rez-de-chaussée, avec la verrière, vous la voyez encore, les deux terrasses et également les balcons, parce qu'il y a deux balcons qui donnent de ce côté-ci. Voilà, maison donc, vous l'aurez compris, résolument vraiment moderne. À l'intérieur, je referme la porte derrière moi et je vais me retrouver donc le home cinéma. Il est ici, le coin salon, les enfants. Un coin salon formidable avec un écran magnifique 16/9 énorme au mur, deux enceintes qui vous délivrent des watts énormes, hein, c'est du Dolby Surround DTC 5.0. Il y a des petits éléments de barre de chaque côté, ça c'est vraiment purement décoratif, avec la petite statuette là, le petit élément en forme d'atome. Il y a des petits ballons du Volt Boy et Volt Girl de chaque côté. Puis alors, j'ai essayé de jouer avec la luminosité, j'ai un problème, c'est que la luminosité rouge que j'ai installée derrière
derrière l'écran, je voulais que ça fasse un petit halo rouge autour de l'écran. Bah c'est loupé, ça fait un halo rouge sur les murs, sur les côtés. Mais bon, on veut un petit côté rouge au-dessus aussi, ça passe pas trop mal. Et puis il y a en bas, en fait, c'est des lampes bleues hein, qui rehaussent un petit peu, qui allument, qui donnent ce côté un petit peu fantomatique à la lumière par ici. C'est des éléments de cheminée également qui sont dans le sol avec deux demi-pans de mur de verre enfoncés aussi. Et je n'avais pas fait la précision jusque-là, mais je vais le faire. Non, pas parce que là, il y a des gens qui vont se dire ah, papy glitch, papy lance-flamme, tout. Non, je suis en world. Je suis en world essentiellement pour des questions de budget, et puis parce que sur le serveur normal, j'ai plus d'emplacement pour les camps et j'arrivais pas à supprimer un des camps que je possède. Donc en fait, je l'ai fait en world. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qui permet aussi de mélanger des items les uns avec les autres beaucoup plus facilement. Système de home cinéma sur une moquette tronc d'arbre de la saison actuelle. On a double tapisserie. La tapisserie sur le côté, il fallait des tapisseries sombres, celle de Nukatech hein, avec le logo mélange de Nuka-Cola et de Voltech, et puis dans le fond la tapisserie étoilée de la saison 7. Voilà, vous avez ici très clairement les enfants, le home cinéma 2.0 avec un joli canapé. Ah oui, c'est pour papy et Sophia, il y a que deux places ici hein, sur le tranquille avec la petite bramine bleue à côté, et on est bien installé dans cette petite pièce tout au fond. Par ici vous avez les escaliers qui vont nous mener à l'étage. Alors j'ai installé ça, c'est une petite habitude que j'avais déjà fait ça dans la première itération de Villa Moderne que j'avais faite. C'est une espèce de mini jardin comme ça en intérieur placé sous la cage d'escalier. Je savais pas quoi mettre, je me suis dit refais un petit carré de tel Curtiva, pose quelques cailloux, quelques plantes, des petites lampes, et puis là c'est pareil, bah ça vous fait une petite composition. J'y ai rajouté un petit peu de lierre qui grimpe dessus et ça vous habille parfaitement le dessous de la cage d'escalier. Ça vous occupe bien l'espace avec de la déco, donc c'est plutôt tranquille. Je grimpe ces escaliers ici, j'ai pas voulu mettre ceux avec la moquette, ça fait trop ancien, je veux du moderne. À l'étage on retrouve les box aliens avec la lampe buzzer. C'est surtout que ça permet un, avoir une belle petite luminosité, et deux, ça évite de se casser la figure sur les bords de l'escalier. On arrive sur un petit palier du coup avec tapisserie orange et le sol en parquet stratifié sombre hein, orange et noir hein, couleur halloweenesque, couleur de la chaîne. On est bien, petite console de Wellspring encore avec quelques décos, notamment le voilier dans sa bouteille. Et vous avez ici une rambarde, vous pouvez vous appuyer, vous êtes en hauteur hein, c'est la mezzanine dont je vous parlais, vous avez la vue sur la salle à manger et la cuisine par ici, vue d'en haut, premier balcon par là derrière la porte bateau du pirate, un petit sol alien, rambarde blanche pour rester dans le ton moderne avec deux plantes carnivores, et juste tranquille deux petits sièges boués pour vous installer là encore pour bronzer. Ah, il y a de quoi, vous inquiétez pas, vous installer, bronzer et profiter de la vue. Toute la communauté, tout le cœur de la communauté, les habitués peuvent venir chez papy pour la journée, il n'y a pas de problème, il y aura des transats, des sièges pour tout le monde pour pouvoir profiter de la belle vue sur un étang où il n'y a plus d'eau. Mais bon, voilà, ça c'est le premier petit balcon purement décoratif. Le deuxième, la terrasse, elle est beaucoup plus utilitaire puisque cette terrasse, comme vous pouvez le constater, c'est tout simplement la zone technique. Alors je suis pas friand moi forcément à la base de zone technique en extérieur, ou alors faut qu'il y ait quand même une couverture, un toit, un appentis. Bah c'est le cas avec la grande verrière hein, justement cette verrière surélevée par rapport au reste de la maison, des ampoules de cache pour la luminosité, et j'ai choisi une disposition pour le coup ici éminemment classique en randonnion parce que bah c'est l'espace qui s'y prête comme ça. C'était un peu plus compliqué de meubler au centre, c'était plus logique sur cette terrasse avec établi de chimie par ici, armure, bricolage, armes, la classique. J'ai rajouté le petit siège parce que je me suis rendu compte, c'est vrai que les coms dans lesquels il y avait un fauteuil, c'est quand même plus cohérent parce qu'on va pas forcément bricoler toujours debout, assis pour la précision et tout, c'est des fois mieux. Donc j'ai mis un petit siège tranquille par là. On a revégétalisé un petit bout du mur et un petit bout de la terrasse, et on voit au-dessus le bout de la terrasse supérieure que nous allons aller visiter très 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 vite. Je grimpe les enfants encore d'un cran, non sans avoir noté la présence d'une pendule en forme de montre bracelet, petite plante là sur le côté, ça c'est pareil parce qu'il restait un vide avec un risque de casser la figure, au moins c'est limité. Et à l'étage les enfants, dernier étage, la chambre. D'abord on arrive toujours les box aliens avec les lampes buzzer,
œuvre d'art contemporaine. Ça, j'ai repris quelque chose qu'on a vu dans nombreux camps et que je trouve très sympa. C'est cette espèce de mélange entre les tableaux, surtout ce tableau-là avec les motifs géographiques. Oui, bien sûr, papy. Les motifs géométriques, ben, ça se marie plutôt bien, hein, ce mélange de carrés. Comme ça, c'est top. Et puis par ici, petit lit à baldaquin avec au bout une banquette rouge sur lequel le petit chat animatronique est en train de se reposer. On a une belle peluche du Chip Squatch, un petit Mister Trognon de l'amour sur le lit, et à côté petite commode également avec des peluches Wavy Willard, Grognac le Barbare et Silver Shroud. Pour la luminosité, une lampe suppositoire, bien sûr, elle a une histoire cette lampe, vous le savez quand, si vous êtes habitué. Vous avez quelques plantes à côté, et puis de nouveau deux portes du pas marin d'eau douce. La première donc vers un second balcon qui ressemble tout à fait au premier, avec deux plantes carnivores, et là c'est juste un banc. Alors d'ailleurs, un banc qui est plus à sa place, j'ai eu des problèmes à un moment dans la construction, je l'ai déplacé, le banc il devrait être là contre le mur, ce sera fait, voilà, on a réparé la chose, petite banquette tranquille, et là aussi vous avez une belle vue de nouveau sur l'étang. Et juste derrière les enfants, la deuxième terrasse, la terrasse supérieure sur laquelle, eh bien, vous avez de nouveau trois transats, cette fois-ci de Wavy Willard bleu très confortable, avec au pied de ceci une table basse sur laquelle il y a un bol à ponche, ça c'est pour s'hydrater, hein. Ah lui, le ponche c'est pour s'hydrater, c'est très important de s'hydrater, hein. Toute la journée il faut s'hydrater. Des petits bonbons à côté si vous êtes plutôt sucrerie, il y a un petit meuble avec un poste de radio là-bas, et puis vous avez un bar, et oui, un mini bar de ce côté-ci, quelques shops sont déjà prêtes à l'emploi, on a même un tonneau qui est installé, hein, dans lequel on peut aller puiser des réserves, voilà, une terrasse toute simplissime pour pouvoir tout simplement aussi se reposer, profiter du soleil, de la vue, d'une après-midi tranquille chez papy. Voilou, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour quasiment, hein. Regardez, en redescendant, je vais juste vous montrer, j'ai également installé des affiches lumineuses comme ça sur le pan de mur, on ne les voyait pas, ce sont toujours les affiches sur la saison actuelle qui sont, même si c'est pas forcément très très utile, je trouve qu'elles sont pas si mal que ça, elles ont plutôt un bon rendu, hein. The Hunter Claims His Prize, voilà, le chasseur a réclamé son prix, et vous avez là une autre affiche de la même collection juste en dessous, Rip Daring, Rip is the Deadless Predator by Landseer or Air, hein, là. Total. Voilou, et bien écoutez les enfants, vous aurez eu la villa moderne. Moi je vais aller m'installer dans mon canapé et me mater un épisode de je ne sais quelle insipide série, ou alors à la limite je pourrais dans un égarement narcissique remettre une vidéo de papy. Imaginez-vous lorsque vous serez venu déguster le ragoût à midi, que vous serez rassasié de saucisses en fin de journée, que vous aurez pris le soleil toute la journée sur les transats, vous pourrez venir vous installer là avec moi pour regarder tout simplement l'intégrale des épisode d'un jour un camp. Il y en a pour quelques semaines, mais vous inquiétez pas, les grandes corbeilles ici, il y a du popcorn dedans. Il y aura du popcorn pour tenir un très très long moment. Voilou les enfants. J'espère que cette petite villa, la Villa Sophia, vous aura plu. Et en plus, vous avez vu, pour les plus esprits, les plus chagrins, Sophia n'est pas dans le camp. Je ne l'ai pas mise. Et non, c'est la Villa Sophia, mais sans Sophia. Voilà. Ah, bah, c'était histoire de troller un petit peu le coup de la Villa Sophia, mais c'est pour le fun. Je me suis bien amusé pour la faire, cette villa-là. J'avais eu vraiment l'image en tête de cette verrière. Je ne savais pas trop ce que ça donnerait. Je ne savais pas trop si le rendu serait intéressant ou non. Et puis finalement, quand je l'ai testé, j'ai dit, ah bah si, ça passe. Ça passe même plutôt bien. C'est plutôt sympa. En tout cas, j'espère que c'est plutôt sympa et que vous aussi, vous aurez apprécié. Vous allez me le dire, bien sûr, je suis sûr, dans les commentaires, me dire si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins bien vu, ce que vous auriez changé, ce que vous auriez fait de votre côté, éventuellement pour encore le parfaire, l'améliorer, pourquoi pas, n'hésitez pas à le dire. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros poutous les enfants, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy, on live from the Appalaches, à vous les studios, ciao.